finale du tournoi Orange Kitsch, remportée par Ejeko Plus Dambandi. Le stade de Mamas n'a été le théâtre d'un événement particulier hier. Il a accueilli la finale de Orange Kitsch, un tournoi de foot à 7 réservé aux jeunes des moins de 15 ans et initié par Orange Madagascar en collaboration avec la Fédération malgache de football. Les équipes de Ejeko Plus Dambandi et de la ZFSL d'Atomadink se sont distinguées lors de ce tournoi interfoctin. Les deux équipes ont d'ailleurs rivalisé d'ardeur et de technique à l'occasion de cette compétition sportive. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge durant le temps réglementaire. Il aura fallu la séance des tirs au but pour les départager. C'est ainsi qu'Ejeko Plus a finalement remporté le tournoi en réalisant 3 tirs contre 2 pour l'équipe d'Atomadink. Ce fut un match spectaculaire qui n'a pas manqué de suspense. Une vingtaine d'équipes a participé à ce tournoi Orange Kitsch. Les éliminatoires se sont déroulés dans les différents arrondissements de la capitale les 17, 18 et 24, 25 mai. Les phases finales se sont déroulées les 7 et 8 mai au stade de Mamas. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre des actions de proximité d'Orange Madagascar. Il s'agit également de permettre aux jeunes des quartiers de jouer à leur sport préféré et d'exprimer leurs talents. Le champion en titre s'est vu remettre une coupe, des téléphones portables ainsi qu'un mouton rond par Orange Madagascar. L'équipe vice-championne s'est en revanche vu octroyer une coupe et des goodies.